Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti du coup pour un cours pour les 4R5. Normalement c'est bien indiqué. Hop. Oui, je pense que je suis déjà en ligne. Je ne sais même pas. Attendez, je vais regarder. Pour mettre... Ah, voilà. Oui, en effet, non, c'est correct. Voilà, donc je vais attendre un peu parce que je vois que vous n'êtes pas beaucoup, donc hop. On va quand même attendre quelques-uns. Voilà, je ne sais pas si vous avez cours avant ou quoi. Non, je ne me trompe pas dans l'horaire, hein. C'est bien les 4h05 à 10h10. Ouais. Allez, du coup, voilà, ça s'affiche. Bien. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que je sais que vous préparez du coup peut-être... Vous avez peut-être déjà préparé l'examen partiel, donc si vous avez des questions, hein, je peux y répondre. Maintenant, vous pouvez aussi passer pendant l'heure de rattrapage, si vous avez beaucoup de questions. C'est possible aussi, puisqu'il y a rattrapage tout à l'heure. Sinon, bon, on va continuer le cours, hein. Je vous ai d'ailleurs, si vous n'avez peut-être pas vu, avant le message sur Classroom sur le rattrapage, je vous ai passé une liste d'exercices. Hein, j'avais précisé, hein, c'est 52 pages d'exercices, mais vous avez évidemment parmi les 52 pages, si vous me dites, 42 pages de solutions et 10 pages d'exercices. Ça va donc. Voilà, si vous voulez le faire, si vous voulez les faire ou vous entraîner, vous pouvez. Sinon, ben, en fait, je suis occupé d'essayer de faire une autre liste, hein, pour l'instant, mais voilà. Alors, ce qu'on va du coup continuer, c'est les fonctions de référence. Donc, bon, je crois qu'on en était arrivé à la valeur absolue. Je ne sais plus si je me trompe. Ben, je crois qu'on n'avait pas fini tout ce qui était tableau de variation, tableau de signe, tout ça. Et du coup, on va reprendre. Alors, pour rappel, hein, on voyait à chaque fois des fonctions bien précises et deux choses. On voyait donc du coup la formulation, donc ici si vous voulez on peut aussi l'écrire comme f qui envoie en fait un réel sur un réel, donc c'est une question de nombre, hein, tout simplement. Donc c'est pas si important pour l'instant cette ligne là, mais ce que ça veut dire l'autre ligne, c'est ça qui est le plus important, c'est que en fait quand on la fonction, quand elle a une abscisse x, elle va envoyer cette abscisse sur l'ordonnée valeur absolue de x. Donc en fait, on va prendre un nombre et on va le mettre aux valeurs absolues. Voilà. Ça, c'est la fonction valeur absolue. On peut aussi l'écrire comme y égale valeur absolue de x. Et on avait complété un tableau en disant, ben, voilà, alors je pense qu'on était parti pour la moins 3, par exemple, moins 3 en valeur absolue, c'est 3. Pourquoi? Parce que la valeur absolue, c'est prendre le nombre et le mettre au positif. Alors pour être précis, évidemment, parce que ça c'est un peu c'est l'idée, mais pour être précis, ça veut dire que si le nombre est négatif, on va prendre l'opposé. Donc si j'ai moins 3, je prends 3. Si j'ai moins 2, je prends 2. Si j'ai moins 1, je prends 1. Si j'ai 0, alors là, on vient dans les positifs, mais ça marche pour 0, ça va marcher. Alors, je vais d'abord faire les positifs. Si j'ai des positifs, 1 par exemple, eh bien je prends le nombre lui-même. Donc ça fait qu'au final, on n'a que des positifs parce que ceux qui sont négatifs deviennent positifs et ceux qui sont positifs, le reste. 2 devient 2, 3 devient 3. 0, c'est un peu entre les deux si on veut. Alors on peut prendre moins 0, mais ça fait 0. Ou bien on peut le considérer comme un nombre positif et dire, bah, puisqu'il est positif, je prends lui-même. Ah ouais? Donc voilà, valeur absolue de 0, c'est 0. Ça, c'était pour le tableau de valeur, de la valeur absolue. Ça va? Je vois que vous n'êtes pas beaucoup. Est-ce que peut-être certains travaillent chez eux, je ne sais pas. Vous aviez peut-être beaucoup de travail aujourd'hui? Je ne sais pas, normalement, hein, vous devez essayer d'être présent. Poursuivre, parce que moi, je vais avancer. Bon, maintenant, si vous avez eu du mal avec les cours en ligne, je peux reprendre à l'école, mais... on va quand même essayer d'avancer. Alors, donc du coup, une fois que vous avez ces valeurs-ci, une fois que vous avez le tableau de valeurs, vous pouvez revenir le tracer dans le graphique. Donc, si vous n'aviez pas encore complété les feuilles, hein, vous pouvez le faire maintenant, c'est une bonne idée. Alors, du coup, 0, 0, il est en 0, 0.
Si je prends le point 1, 1, donc si j'ai l'abscisse x qui vaut 1, je suis en 1. En 2, si x vaut 2, sa valeur absolue c'est 2. La valeur absolue de 3, c'est 3. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Et la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Et donc, quand vous reliez, vous avez quoi? Vous avez cette magnifique fonction. Alors, normalement, ça doit être droit. Évidemment, j'ai un peu du mal. Hop. Parce que, voilà. Bon, évidemment, hein, c'est quelque chose de droit. Vous le faites à la latte. Hein, si vous le faites sur une feuille de papier, c'est beaucoup plus facile. On le fait tout droit, évidemment. Et donc, vous devriez avoir ce fameux V qui apparaît. Donc, globalement, hein, quand vous aurez des fonctions qui ressemblent à des V, ben, il n'y a pas mille choix. Hein. Ça va être souvent, très souvent, la plupart du temps, de la valeur absolue qu'il y a derrière, en fait, la fonction. Et donc, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que, vous voyez, hein, la fonction, elle est totalement au-dessus de l'axe des abscisses. Si je regarde, enfin, totalement. Elle est parfois dessus, mais elle n'est jamais ici en dessous. Puisqu'elle n'est jamais en dessous, alors ça vient d'où? Ça vient du fait que bah, la valeur absolue, c'est toujours positive. Donc ça, vous pouvez le noter parce que c'est intéressant. La valeur absolue est toujours positive. Ça devrait vous faire penser à quelque chose, hein, puisque, par exemple, le carré d'un nombre, c'est toujours positif. Et ça va être un peu la même chose que la valeur absolue. On va être aussi au-dessus de l'axe des x. Ça va? Donc ça c'est à retenir, hein, qu'une valeur absolue, c'est toujours positif. Et puis, bon, voilà, on a sa fonction, et maintenant, on aimerait étudier ses caractéristiques. Parce que je pense que ça, on ne l'a pas encore fait. Mais voilà, on va le faire. Hein. Alors, le domaine, donc vous regardez ici sur l'axe des abscisses. Quelles sont toutes les abscisses qui ont une image par la fonction? Alors, si vous regardez, la fonction, elle s'étale d'au moins l'infini à plus l'infini, sans interruption. Donc ici, en fait, ça va être R tout entier. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez donner à la valeur absolue, dans une valeur absolue, vous pouvez mettre n'importe quoi, comme nombre. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre négatif, vous pouvez mettre 0, vous pouvez mettre n'importe quel nombre positif. Tous les réels ont une valeur absolue. Maintenant, par contre, si je regarde l'image, l'ensemble image, je dois regarder sur l'axe des y, de où à où la fonction s'étale. Alors, on voit que son point le plus bas ici, c'est 0, et son point le plus haut, c'est l'infini. Donc, en fait, ici, ce sont tous les réels qui vont de 0 jusque plus l'infini. On voit que 0, hein, ici, est une image, et puis après, j'ai tous les nombres positifs. Alors, on peut l'écrire aussi comme R plus 0. Ça fonctionne aussi. Ça va? Voilà. Et donc, après, une fois que vous avez l'ensemble image et le domaine, vous pouvez rechercher les racines. Alors, les racines, bah, comment on va faire? On regarde où on a... On a une intersection avec l'axe des x. On a une intersection ici en 0, 0. Quelle est l'abscisse de ce point? C'est 0. Et c'est le seul point d'intersection. Donc la seule racine, ce sera ici 0. Et puis, bah, l'ordonnée à l'origine, ça va être un peu le même principe, puisque ici, bah, quelles sont les intersections avec l'axe y? J'ai une intersection en 0, 0. Quelle est l'ordonnée? Quelle est la hauteur de ce point? 0. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Et puis, vous allez rechercher le tableau de signes. Si je vais un peu trop vite, hein, vous me le dites, puisque vous êtes peut-être occupé de noter. Donc, tableau de signes et tableau de variation. Le tableau de signes consiste donc à regarder le signe de la fonction. Donc, comment elle est par rapport à l'axe x. Alors, comme on a dit juste avant, la valeur absolue est toujours positive. Donc on n'aura globalement que des plus, mais est-ce qu'il y a une racine à cette fonction? Oui, en 0. Donc en fait, quand vous faites le tableau de signes, il faut que le domaine, vous devez d'abord regarder le domaine et les racines. Est-ce qu'il y a des trous dans le domaine? Non, donc a priori pour le domaine, je ne dois rien marquer.
Mais par contre, les racines, eh bien ici, j'ai une racine en 0 et son image, c'est 0. Et puis, vous regardez, qu'est-ce qu'il y a à gauche de 0? Si je regarde dans les, pour les x négatifs, donc avant 0, eh bien, f est positive, elle est au-dessus de l'axe des x, donc ici, je vais mettre plus. Et à droite, elle est ici positive, elle est aussi au-dessus de l'axe des x. OK, donc on a plus 0, plus. Si vous suivez la fonction, vous avez plus 0, plus. C'est bien le tableau signe de cette fonction. Et puis, pour le tableau de variation, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la variation de la fonction. Alors, on voit que globalement, ben, ici, elle est décroissante, elle descend, jusqu'à arriver à 0. Donc, je peux noter qu'elle est décroissante. Et puis, j'arrive à 0. J'aurais besoin d'un peu de place. Voilà. Et puis après, ben, elle est croissante. Donc, on peut le noter comme ça. Elle est décroissante, elle arrive à 0, elle est croissante. Et du coup, le fait qu'elle est décroissante avant 0 et croissante après 0, ça fait qu'ici, il y a quelque chose de particulier. Ceci, ce point-là, est le point le plus bas de la fonction. On a donc ici un minimum. Quelle est la hauteur la plus petite que la valeur absolue peut atteindre? C'est 0. Donc ici, on a un minimum local, mais qui est en fait aussi global, parce que le 0 est le plus petit pour toute la fonction, que ce soit à gauche ou à droite. Partout, ce point-ci, en 0, est le plus petit. Dites-moi, est-ce que ça va pour cette fonction, ce tableau de signes, etc. Tableau de variation, ordonnée à l'origine, tout ça, est-ce que tout est clair ? Pour celle-ci, alors je vais faire une petite remarque. Si vous regardez la page précédente, hein, on avait tracé la fonction. Donc, alors bien sûr, ça je vais noter f de x égale la valeur absolue de x. On avait tracé, par exemple, la fonction y égale x, ou f de x égale x. Et cette fonction, en fait, c'était cette fonction-ci. Y égale x. En pointillé, c'est la droite oblique hein, qui coupe en deux parties égales, qui coupe les x et les y de manière égale. Hein, c'est la droite pour y égale x de pente 1 et d'ordonnée à l'origine 0. Donc c'est pour ça que c'est y égale x, qu'on peut aussi écrire comme f de x égale x. Alors pourquoi je trace ça? C'est juste pour faire une petite remarque par rapport à la valeur absolue, le lien entre les deux. Alors si vous regardez, en fait la valeur absolue, c'est rien d'autre que la fonction identité, celle en rouge, auquel on a coupé la partie des négatifs, ici, et qu'on l'a remis au-dessus. Donc la partie qui est positive, elle est restée telle qu'elle, et la partie négative, on l'a tordue, on l'a mis de l'autre côté, on l'a mis du côté des positifs. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, ça vient du fait que, ben, quand vous avez un nombre positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Et donc ça, en fait, ici, on peut voir, hein, ça, c'est la fonction identité sur cette partie-là. Et sur l'autre partie, eh bien, c'est, en fait, quand on prend la valeur absolue, on prend l'opposé. Et du coup, c'est pour ça que la fonction est retournée dans les négatifs. Enfin, ça, c'est juste une petite remarque. C'est pas nécessaire, hein, ici, pour ce qu'on veut faire. Mais c'est une autre façon de voir le graphique de la fonction à identité. Ça va? Eh bien, il neige très bien. Il neige beaucoup. Alors, la neige, ça a un avantage. Hein. C'est très beau, la neige. Mais ça a un désavantage, c'est que si j'éteins la lumière maintenant, ça fait noir. Parce que il fait trop sombre. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Il neige, c'est le plus important. Ok, je n'arrive plus à effacer. Voilà. Est-ce que ça va pour la fonction valeur absolue? Voilà. Je vous laisse donc noter si vous n'aviez pas eu le temps de noter. Et puis, on va passer du coup à la prochaine fonction. Alors, je regarde juste sur l'horaire. Oui, c'est bien jusqu'au bout. Non. J'avais un doute sur le fait que je vous avais à cette heure-ci, mais non, c'est bien 4h05 maintenant. Ok. Allez, donc on va faire
Je vais regarder la suivante dans l'ordre. Normalement, c'est la fonction carré. Ouais. Donc, je vais reprendre ceci. Voilà, donc, n'hésitez pas à dire maintenant si vous avez des questions sur la valeur absolue. Mais ce n'est pas une fonction très compliquée en soi. Hein. Voilà, donc à la page, du coup, c'est vrai que je ne vous avais pas dit la page, hein, mais la fonction valeur absolue, c'était la page 5. Et maintenant, on va passer à la page 6. Ah, c'est dur à dire. À page 6, fonction carré. Allez, regardons ça. Hop. Alors, ben, je parlais hein, juste avant, je disais, ben oui, la valeur absolue, c'est positif. Partout, c'est tout le temps positif, un peu comme la fonction carré. Et donc, enfin, le fait de faire x carré, c'est toujours positif. Et donc, justement, on va le voir maintenant. Qu'est-ce que c'est le fait de mettre au carré? Eh bien, on va prendre... Alors, vous voyez, le tableau, il est très large. C'est normal, on va prendre beaucoup de valeurs parce que les fonctions qu'on a fait jusqu'à maintenant, les trois premières, fonction constante, fonction identité, fonction valeur absolue, étaient soit des droites pour les deux premières, soit deux demi-droites pour la valeur absolue, puisque c'était un V. Donc, les trois premières fonctions étaient faciles dans le sens où, si vous aviez quelques points, comme c'était des demi-droites ou des droites, ben, il suffit de relier avec quelques points, on a toute la fonction. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de points. Tandis que la fonction carré, quand on va la représenter, ce ne sera pas une droite. Ici, ce ne sera pas du tout une droite. Et du coup, il nous faut beaucoup de points pour être précis, pour tracer la chose de manière jolie. Alors, du coup, comme je dis, il faut être précis. Ben, je vais avoir du mal, mais du coup, je vais mettre le GeoGebra après au-dessus pour voir que vraiment, ça, on a besoin d'être précis. Si je reprends, qu'est-ce que c'est la fonction carré? La fonction carré, ben, du coup, si je reprends ça, je pourrais le noter comme... Ça envoie un réel sur un réel, donc de nouveau, c'est juste ça, ça veut juste dire on va travailler avec des nombres réels, donc ça veut dire qu'on ne travaille pas avec des complexes ou ce genre de choses. Et quand on va prendre un nombre, on va le mettre tout simplement au carré. Le fait de mettre un nombre au carré, qu'est-ce que ça va me donner comme fonction? À quoi ça va ressembler? Alors, vous pouvez aussi noter comme y égale x carré, ou encore f de x égale x carré. Ouais, c'est cette fonction-là. Le y, c'est x carré. Alors, les points qu'on va prendre. Alors, j'essaye de voir juste... Est-ce que ça, c'est le milieu entre les deux? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon. OK. Donc, ça, c'est le milieu entre les deux. Eh bien, on va regarder pour 0. En premier, 0 au carré, ça donne quoi? Bon, 0 au carré, ça donne 0. Ça, jusque-là, c'est pas compliqué. 1 au carré... je ne vais pas le noter là. Je vais le noter un peu plus loin. 1 au carré, ça donne 1. Alors, pourquoi je note un peu plus loin? C'est parce que j'aurai besoin d'avoir des valeurs autour de 0. Par exemple, 1,5. Vous pouvez noter 0,25 si vous voulez, hein, puisque c'est un tableau de valeurs, ce n'est pas un problème. Mais 1,5, quand je le mets au carré, ça donne 1 quart. D'accord? Ça, c'est 1,5. Au carré. Ici, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, on met ici au carré, puisque c'est la fonction carré. Bon, 0 et 1, c'était facile. Au carré, ça donne 0 et 1. Ah oui, petite remarque aussi. Dans ce chapitre-ci, pour les fonctions de référence, c'est difficile de vous faire un peu interagir, j'aimerais bien, mais comme ce sont juste, voilà, on va balancer des fonctions à connaître, c'est très théorique, donc voilà, il faut juste... mais vous pouvez essayer de calculer un peu les valeurs avant, etc. Mais voilà, ça va être, on voit des fonctions, il faut les tracer, il faut savoir analyser la fonction. Et donc, c'est un peu toujours la même chose. Alors, pour les oui fonctions qu'on va faire, 2 au carré, par exemple, ça va donner 4. On peut aussi mettre 3 au carré, ça fait 9. Et de nouveau, j'ai laissé un espace, c'est pour avoir de la précision. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre 1 et 2? Il y a 3,5. Et 3,5, ça fait, du coup, au carré, 9 quarts. Alors, je vais donner une approximation. Comment on approxime 9 quarts? 9 quarts,
Puisque vous vous demandez peut-être, oui, mais du coup, moi, quand je vais devoir retracer sur le graphique, 9 quarts, moi, je le place où? Alors, on le place où? Un quart, d'ailleurs, c'est 0,25. Ça va, mais 9 quarts, bah, c'est 8 quarts plus 1 quart. Ça, vous êtes d'accord. 8 quarts, c'est 2. 2 plus 1 quart, ça fait du coup 2,25. Donc, 4. Ici, 3 demi, pardon, c'est 1,5. Donc 1,5 au carré, ça donne 2,25. Ça va? Bon, ça on l'utilisera. Alors, si, pourquoi j'ai laissé de la place à gauche, c'est parce que bah, si on peut regarder dans les positifs, on peut regarder aussi dans les négatifs. Moins 1 demi. Quand on va mettre au carré, alors ici, ça va être facile parce que comme c'est au carré, le moins disparaît et du coup, c'est le carré de 1 demi. C'est 1 quart. Et en fait, il suffit juste de réécrire ce qu'il y a à droite. Par exemple, pour moins 1, moins 1 au carré, c'est 1. Ça va être le même qu'à gauche. 3 moins 3 demi, ça va être 9 quarts. Puisqu'au carré, le moins disparaît. Le carré de 3 demi, c'est 9 quarts. Moins 2 au carré, c'est moins 4. Et puis moins 3. Au carré, ça fait, pardon, oh, je vais trop vite. Je dis des bêtises. Moins 2 au carré, c'est 4. Et moins 3 au carré, ça fait 9. Donc vous voyez, vous avez une symétrie entre les deux. D'accord? Bon. Quand je dis un moins 2 au carré, ça fait moins 4. Il ne faut pas m'écouter hein, quand je dis des bêtises comme ça. Moins 2 au carré, ça fait bien 4. Non, j'ai mis moins parce que je pensais déjà à moins 3. Voilà, ça c'est quand on va trop vite. Il faut faire attention. Voilà. Allez, du coup, on a un tableau de valeurs, et vous voyez, il y a beaucoup de valeurs, il va falloir remplacer tout ça. Et du coup, il faut vraiment être précis parce que la fonction, elle est délicate. Elle est jolie, et elle est délicate à tracer. Alors, pourquoi? Parce que, bon, il y a des points faciles. On va d'abord placer les points faciles. 0, 0, c'est ici. 1, 1, c'est ici. Si j'ai une abscisse 2, 2 au carré, ça fait 4, donc je suis ici. Hein, vous voyez, 2 au carré, 4. 2 au carré, 4. D'accord, je prends les x, c'est les abscisses, et quand je prends la ligne des y, ce sont la hauteur. 3 au carré, ça fait 9, donc vous avez ici cette fonction-là. Ok? Bon, ça, pour l'instant, ça ressemble à ça. Et on voit, hein, si vous les reliez, bah, vous n'avez pas du tout ici en fait une droite. Donc, on ne reliera pas à la latte. Si ce n'est pas une droite, on ne relie pas à la latte. Donc ça, c'est très important. Alors, je vais placer d'autres points, par exemple, moins 1, 1, donc ici. Moins 2, 2, moins 2 au carré, ça fait 4, donc on est ici. Et moins 3 au carré, ça fait 9, donc on est ici. Et vous pouvez voir, hein, sur tous les points que j'ai placés, ils sont tous au-dessus de l'axe des abscisses. Pour l'instant, et là, vous pouvez regarder, hein, toutes les images, elles sont comment? Si je regarde la ligne des f de x, ils sont tous positifs. Donc c'est vrai, on peut le dire. Un carré est toujours positif. Bon, ça c'est une bonne remarque. Comme la valeur absolue. La valeur absolue c'est toujours positif. Un carré. La fonction carré, ce sera toujours positif aussi. Alors. Vous voyez, hein, ici, pour l'instant, ben, en fait, on pourrait relier, si on va dans l'ordre, comme ça. Mais attention, ne reliez pas tout de suite, hein. Si je fais ça, bon, comment je trace ici? Est-ce que je trace en V ou pas? Eh bien, il faut être précis. Et pour ça, on va utiliser ben, les valeurs ici en fraction que l'on avait données. Je vais utiliser ces quatre valeurs-là. Alors, par exemple, 1 demi, si vous regardez en 1 demi, où est-ce que je dois placer ici ma valeur en 1,5? C'est en 1 quart. Donc vous prenez 0,5 pour les abscisses, 0,25 pour les y. Donc vous êtes ici. Donc vous êtes dans la moitié du premier carreau ici. Et moins 1,5, si je regarde de l'autre côté, son image c'est 1 quart aussi. Donc si je suis en moins 1,5, là je dois me placer en 1 quart ici aussi. Donc vous voyez, après je vais zoomer hein, sur GeoGebra pour vous montrer comment c'est précisément pour la tracer. Et puis bon voilà, il reste deux valeurs, 1,5 si je me place en 1,5,
je dois me placer en 2,25, donc ici. Je ne sais pas si sur votre feuille c'est exactement la bonne mesure, si c'est 1 cm une unité. Si c'est le cas, bah, vous pouvez tracer précisément. Sinon, bah, voilà. Si je prends maintenant par exemple moins 3,5, moins 3,5 c'est moins 1,5. Donc moins 1,5, je suis ici. 2,25, je suis ici. Et donc là, maintenant que j'ai placé ces points-là, vous voyez beaucoup mieux la fonction. Elle va faire certes une sorte de V, mais elle s'est arrondie. Alors, je vais. Donc là, vous pouvez commencer à relier. Hein. Il faut essayer de le faire le plus joliment possible. Alors, je sais que c'est pas facile. Alors, moi, je le fais évidemment à l'œil comme ça. Enfin, c'est difficile de le faire avec la tablette, mais peut-être que sur votre feuille, c'est peut-être plus facile à tracer, vous voyez. Alors, quand vous approchez, c'est pas droit, hein, c'est un peu arrondi hein, jusque maintenant. Si vous regardez, je n'ai pas arrondi, je n'ai pas tracé tout droit, hein, j'ai arrondi. Et surtout ici, aux alentours de 0, il faut que vous arriviez de façon plate. D'accord? Sinon, c'est pas un V, c'est ici, vous avez votre avion qui atterrit, il atterrit tout doucement, j'ai une cuve, hein, j'ai un peu comme un demi-cercle, si on veut. Et puis là, l'avion redémarre, hop, tout doucement. Et puis voilà, ça me donne mon arrondi. Je remonte. Et au fur et à mesure que j'avance, je monte de plus en plus. Et donc, ça va être de plus en plus vertical. Mais attention, ce n'est jamais vertical. D'accord? C'est toujours un peu penché. Mais c'est de plus en plus vertical sans jamais l'être. Si on veut. Et ça continue, évidemment, vers plus l'infini. Je peux mettre n'importe quel nombre au carré. Hein. 4 au carré, ça donnera 16, etc. Mais plus je vais avancer, plus ce sera haut. D'accord? Bon. Et donc, vous avez cette fonction-là. Pour ceux qui voudraient, du coup, que je la remontre précisément. Hop. Je ne pense pas que vous voyez hein, GeoGebra ici. Non. Je vais l'afficher. Top, top. GeoGebra. Voilà. Je remettrai après hein, les valeurs, tout ça. Vous avez cette fonction-ci. Alors, gris, c'est pas joli. On va changer. On va mettre, je sais pas, du bleu. Je sais pas si vous voyez le changement de couleur que je fais. Voilà, je mets le bleu. Allez. Ouais. Et donc, ça donne cette fonction-ci. Qui ressemble. Hein, alors, on appelle ça une parabole. Parabole, hein, ça a bien cette forme ici. Aux alentours de 0, ça devient plat, hein, c'est bien arrondi sur le bout. Donc, on ne dessine jamais avec une pointe. Si c'est une pointe, ce n'est pas la fonction carré. C'est bien ici un arrondi. Vous pouvez même, hein, si je zoome, vous allez voir, ici, vous voyez, plus je zoome, plus en fait, hein, c'est plat. C'est plat aux alentours de 0. Alors, juste pour une valeur que je voulais montrer, voilà, en 0,5, 0,5 au carré, ça donne 0,25. Peut-être que si je... Ah, il met pas. Non, il met pas. 0,5 au carré, c'est entre 0,2 et entre 0,3, donc 0,25. Voilà, mais ça, ce sont les valeurs que l'on avait trouvées. Et donc, voilà, sans peut-être trop dézoomer, hop, vous avez cette fonction qui ressemble à ceci. Ok. Alors, le nom parabole, c'est pas anodin. Hein. On dit parabole, c'est comme les paraboles des antennes. C'est parce que ça a une propriété physique très intéressante. Quand, disons que à chaque fois que vous envoyez quelque chose verticalement, je vais le prendre ici, c'est intéressant. Chaque fois que vous envoyez quelque chose verticalement dans la parabole, eh bien, ça va rebondir quelque part sur un point au centre, ici. Si j'envoie, je ne sais pas, comme ça, verticalement à un autre endroit, ça va venir au même point. En fait, ça, c'est une propriété qui est due au fait que c'est une parabole. C'est le fait qu'il y ait x carré. Ce serait difficile à expliquer maintenant. Hein, on pourrait le faire, mais je vais juste énoncer la propriété. Donc, quand vous avez, par exemple, du son qui arrive, ou comment ? Je vais y arriver.
du son ou bien des messages sous forme électromagnétique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est des ondes, voilà, des ondes radio, par exemple, là, c'est ce que je cherchais, elles arrivent, elles vont toutes, du coup, être renvoyées vers un point. Et c'est pour ça que quand vous regardez sur une antenne, eh bien, vous avez l'antenne, et puis au milieu, vous avez un point. Eh bien, ça, c'est une fourche avec un module au milieu. Ça va être du coup le foyer de la parabole. En fait, toutes les ondes, elles vont être renvoyées vers le centre, le foyer de la parabole. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ces antennes-là des paraboles. C'est lié à ça. Ok? Bon, voilà, ça c'est juste pour le côté physique de la fonction. Mais donc, hein, puisque les. Retenez que ça c'est une parabole. Du coup, si vous avez déjà vu une antenne dans votre vie, vous savez que c'est arrondi. Donc, vous me faites aux alentours de 0 un arrondi. Ça va, vous pouvez le retenir comme ça si vous voulez, mais c'est important. Voilà, donc vous avez la fonction ici, x carré. Ok? Bien. Allez. Donc, ce que j'ai expliqué avec les antennes, hein, c'est juste voilà, un truc sur le côté. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais voilà. Allez. Du coup. On va oui, continuer. Maintenant, si je vous demande d'étudier cette fonction x carré, donc c'est-à-dire de donner le domaine, l'ensemble d'images, les racines, l'ordonnée à l'origine. En fait, vous avez ici exactement la même chose que la valeur absolue, dans le sens où, évidemment, ce n'est pas la même fonction. Vous voyez que, y en a une qui est arrondie, l'autre pas. Mais toutes les deux, eh bien. On voit que le domaine, ici, ben, il va de moins l'infini à plus l'infini, parce que je pourrais continuer, elle continue, la fonction, elle ne s'arrête pas. Et du coup, puisque c'est de moins l'infini à plus l'infini, le domaine, c'est tout R. L'ensemble d'images, ben, vous pouvez voir que 1 carré est toujours positif, ça veut dire que ici, ben, en fait, la plus petite possible, c'est 0. Et puis, ben, en fait, vous pouvez avoir n'importe quel nombre positif. Donc ici, l'ensemble d'images, c'est 2, 0 compris à plus l'infini. Ou encore, vous pouvez l'écrire comme R plus 0. Ça va? Au niveau des racines, comment ça va fonctionner? Eh bien, de nouveau, on regarde les intersections avec l'axe des x. On a une intersection en 0, 0. Quelle est l'abscisse de cette intersection? C'est 0. Donc on a uniquement 0 comme racine. L'ordonnée à l'origine, c'est le même principe. J'ai un point d'intersection avec l'axe Y en 0, 0. Quelle est l'ordonnée de ce point d'intersection? C'est 0. Et donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Est-ce que ça va jusqu'ici? Dites-le-moi, hein, si ça ne va pas. Ensuite, ben, on va étudier le tableau de signes. X, bon, je peux mettre Y, mais ici, comme on sait que. Je ne l'ai pas noté, mais ça c'est f de x égale à x carré. Donc on a y. Qu'est-ce qu'on a pour f de x, hein, comme, je vais mettre comme le tableau de valeur. Au niveau du tableau de signes. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que bah, ici la fonction est positive. À droite, la fonction est positive. Et entre les deux, bah, il y a ici 1, 0. Okay? Donc je peux écrire que j'ai que la fonction est positive. Puis elle atteint une racine, on l'a mentionné, en 0. Donc, puisque c'est une racine, son image vaut 0. Et puis juste après, elle est positive. Vous voyez, ce sont des tableaux en fait hein, très simples pour les fonctions de référence. Tous les tableaux de variation et de signes vont être typiquement comme ça, très simples. Il y aura, si je ne me trompe pas, maximum 3 cases à remplir à chaque fois. Maximum 3 cases à remplir, c'est pas énorme. Voilà, donc le signe de la fonction, eh bien, on montre que, vous voyez, elle est tout le temps positive, sauf en 0 où elle est nulle. Donc elle est strictement positive partout, sauf en 0, ou bien elle est, on peut dire qu'elle est positive partout. Hein. C'est ce qu'on a écrit ici. La fonction carré est toujours positive, et elle a une racine en 0. Du coup, si on regarde le tableau de variation maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, la fonction, on voit que ici, ben, au premier abord, elle descend, puis elle atteint ici un minimum pour après remonter, enfin, remonter dans ce sens-là.
Donc ici, elle remonte et là, elle atteint un minimum. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a décroissance. En 0, 0, on a un minimum, puisque c'est le point le plus bas, hein. On peut voir ici sur l'ensemble d'image, la plus petite image possible, c'est 0, elle est comprise, donc 0 est un minimum. Et puis, on est du coup recroissant après. Voilà, ça c'est la carte d'identité de la fonction x carré. Ça va? Est-ce que c'était clair pour ça? Donc, ici, si vous voulez, hein, pour tout ce qui est caractéristique ici en bas, en fait, c'est exactement la même chose que la valeur absolue, puisqu'en fait, la valeur absolue, ben, elle fait ceci. Elle se comporte de la même façon globalement que x carré, c'est juste qu'elle n'a pas la même forme. Mais voilà, fonction valeur absolue et carré sont toutes les deux toujours positives. Et puis, elle est décroissante. Avant 0, croissante après 0. Et puis voilà, les racines, domaines et tout ça, c'est la même chose. Ça va? Oula. Je n'ai pas de retour de vous dans le chat, donc je ne sais pas si c'est clair ou pas. Mais bon, si vous ne dites rien, j'imagine que c'est que c'est correct. Enfin, que c'est compris. Plutôt, disons. Voilà. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce que vous avez après? Ah, la fonction racine carrée. Ok. Oui, on a encore cours tout à l'heure. Bien, oui, comme il reste 4 minutes, hein, pas beaucoup, je ne vais pas commencer la fonction racine carrée. Donc je vais laisser du coup ça pour tout à l'heure. On fera racine carrée, on verra le lien entre racine carrée et la fonction carrée. Je rappellerai toujours. C'est clair? Ouais. Je rappellerai ça. Mais ici, du coup, pour le temps qui reste, bah, je vous laisse l'opportunité, du coup, de poser une question. Si vous en avez une, ça peut être, hein, sur l'examen, hein, bien sûr, ou ça peut être sur ça. Ou du coup, est-ce que vous avez fait un exercice supplémentaire? Est-ce que vous voulez que je regarde rapidement pour corriger ça? Vous pouvez. Sinon, bah, si vous n'avez pas de question, du coup, on va s'arrêter sur cette magnifique fonction carré. Mais dites-moi, je reste, du coup, pour le temps qui reste, hein, ouvert à vos questions pour ne pas commencer racine carrée sur le si peu de temps qui reste. Puisqu'on a encore cours tout à l'heure en 5e heure, hein, si je me souviens bien. Voilà. Est-ce que, voilà, par exemple, est-ce que vous n'avez pas des doutes sur, par exemple, quand on a calculé 3 demi au carré. Comment on fait pour faire 3 demi au carré, par exemple? Hein? Ça, je peux le refaire. Ici, 3 demi au carré, comment ça se calcule? Eh bien, on met. Ça, d'ailleurs, c'est ce que vous pourriez avoir ça, hein, à l'examen partiel. Vous pourriez avoir, du coup, alors comment on fait? On distribue le carré sur le numérateur et sur le dénominateur. Et du coup, ça donne 9 quarts. Qui donne du coup en arrondissant, c'est 8 divisé par 4 plus 1 quart, donc 2,25. Bah, 1 quart étant aussi un. Alors, oui, bon, personne ne l'a dit, mais évidemment, ici, c'est pas un arrondi. 2,25, c'est pas un arrondi, c'est la valeur précise. Donc, j'efface les arrondis. Ce ne sont pas des arrondis, ce sont des valeurs précises. J'ai l'habitude. Oui. Non, ce sont des valeurs précises. 1,25, c'est précis. 2,25, c'est précis. Il n'y avait pas besoin d'approximation. Voilà, pareil pour un quart, du coup, c'est 0,25 précisément. C'est pas comme si j'avais arrondi un tiers à 0,33, par exemple. Ça va? Bon, bah voilà. Du coup, il est 49. Oui, bon, on va arrêter là, du coup. Puisque vous n'avez pas de questions. Il neige bien. Je ne sais pas s'il neige chez vous, mais ici c'est beau. C'est beau. Hein, peut-être que ça fait assez de lumière. Je regarderai pour éteindre ma lumière si ça ne fonctionne pas. Allez, je vous dis du coup à tantôt. On se retrouve du coup en 5e heure. Je vais quand même vérifier. Oui, c'est ça. Donc en 5e heure, donc midi 50. Donc d'ici là, bah, portez-vous bien. Et bon appétit, hein, puisque tout à l'heure, on se retrouve après-midi. Et voilà. Allez, à tout à l'heure.